opportunité rêvée. C'est super de pouvoir le pratiquer en plein air avec Gotan Project en live. Et oui, Gotan Project était en représentation live hier après-midi place Kléber. Ce groupe de tango argentin est venu à Strasbourg pour la promotion de leur nouvel album Tango 3. Et à cette occasion, un happening live tango était organisé en plein centre de la capitale alsacienne. C'est des événements tango qui se font un peu partout maintenant, c'est assez génial. Et en fait, l'idée, c'est que les gens ils se réunissent pour faire du tango. Ça va être pas que du tango traditionnel, donc les gens vont danser plus sur notre musique, la musique de Gotan Project. Donc on s'amuse à faire un petit mix entre le tango traditionnel et du tango contemporain. Peu de temps avant l'événement, les Alsaciens ont pu rencontrer Gotan Project et leur poser toutes les questions qu'ils souhaitaient. Le groupe s'est ensuite prêté à une séance de dédicace pour le plus grand bonheur des fans. J'ai des amis qui aiment beaucoup, donc je suis venue faire dédicacer les albums pour leur offrir. J'avais envie déjà de les voir physiquement et découvrir un petit peu plus ce groupe qui est quand même un style particulier. On les suit depuis longtemps et on aime bien ce brassage de musique qu'ils font avec comme fil directeur le tango. Gotan Project a redonné un coup de jeune au tango argentin en le mêlant avec la musique électronique. Ils permettent au public de s'amuser sur la remarquable danse qu'est le tango. C'est carrément une danse très 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 belle et peut-être la plus subtile et la plus émouvante de toutes les danses de salon. Et pour danser ce tango, les Alsaciens étaient au rendez-vous. Plusieurs passionnés de tango sont venus de toute l'Alsace pour danser en plein air sur le rythme de Gotan Project. J'étais à Paris au moment où ils sont passés, je l'ai loupé. Et ils sont venus à Strasbourg à moi, quoi. Donc c'est génial. Et c'est bien de pouvoir danser aussi sur la musique live. C'était très sympa, ouais. Le tango que pratique Gotan Project est super. Il y a beaucoup de liberté, on peut partir dans des figures libres, c'est ça qui est intéressant. Une occasion comme ça, ça n'arrivera pas tous les jours. Si vous avez raté Gotan Project, sachez qu'ils seront prochainement en concert dans la région le dimanche 8 août à la Foire au vin de Colmar.